123 avant Jésus-Christ, en Provence, vivaient les Salovi, une peuplade celto-ligure, qui eurent un mail à partir avec les Romains. Et nous sommes ici, dans le Jardin de Grassi, près du boulevard Notre-Dame, où se trouvent des vestiges assez extraordinaires. 123 avant Jésus-Christ, 2062 ans plus tard, c'est 1939. Ici, c'est un terrain vague. C'est la guerre et l'on creuse des tranchées. Et en creusant des tranchées, on découvre ces vestiges de l'époque romaine. Ces vestiges d'aquasexiers bâtis par le proconsul Sextius, Caius Sextius, qui donna son nom à Aix-en-Provence. Non loin d'ici, à l'époque, j'étais élève à l'école normale annexe. Et le samedi, pendant que mes camarades jouaient au foot, je m'asseyais au pied d'un pin et je rêvassais. L'esprit assailli invariablement par des images de la période romaine. Et un jeudi, nous venons, des copains et moi, faire nos fouilles. On commence à tripoter, je joue les archéologues déjà, et je demande à mes camarades de ne rien casser, etc. Puis je les vois partir en courant. Je me retourne, je lève la tête, j'étais au fond de la tranchée, et je vois là un monsieur, correctement vêtu de sombre, qui me sourit, me dit « C'est bien ce que tu dis à tes camarades, vous n'êtes pas des vandales. » Alors, je lui demande où nous sommes, il me dit « Mais, quoi sexier ?» Il me raconte qu'il y a là des ruines romaines, et que ce paysage est un paysage courant en Provence, où il y avait beaucoup de Romains. Et alors, moi, je me pose la question, je lui dis « Mais, à l'école normale annexe, en haut de l'avenue Jules Isaac, qui ne s'appelait pas Jules Isaac à l'époque, je vais à cette école normale annexe, est-ce qu'il y a des ruines romaines ?» Il me dit « Mais il y en a plein !» Et à ce moment-là, j'étais extrêmement troublé, parce que je comprenais certaines choses. C'est donc ici que, entre ces colonnes, que j'allais comprendre beaucoup de choses. Toutes mes interrogations sur ces sentiments bizarres, cette sensation d'étrangeté que j'éprouvais dans certains lieux de la région, et beaucoup plus tard en d'autres, où toujours s'était produite une occupation, une implantation romaine. Nous voici donc sur le site de la butte des Trois-Moulins. Au-delà de ce mur mystérieux que nous avons vu tout à l'heure, qui était pour moi la frontière quand j'étais un enfant. Je ne connaissais rien au-delà. Et au-delà, il y avait la preuve qu'il y avait bien des ruines romaines. Ce qui expliquait ce sentiment d'étrangeté lorsque j'étais dans la pinède de l'école normale annexe, et que je m'évadais. Je ne voyais plus mes camarades taper dans le ballon, mais je pensais à des scènes de la vie romaine. Uniquement, hors un enfant de 8 ans, 9 ans, ce qu'il connaît de l'époque romaine, c'est rien. Des hommes et des dames en toge, en tunique, et ça s'arrête là. Et j'éprouvais une sorte de fascination, une sorte de résurgence en moi, mais uniquement quand j'étais sur les sites romains. J'en ai conclu, je n'ai aucune preuve à apporter, malheureusement, mais c'est ma conviction intime. J'en ai conclu que j'avais vécu à l'époque romaine, ici même, mais je ne me sens pas romain. Je ne me sentais pas romain. Je me sentais, ben, comme j'allais l'être quelques années après 39, dans la résistance. J'étais donc occupé, j'étais donc l'un de ces celto-ligures ou gaulois subissant l'époque romaine, l'occupation romaine. C'était une réminiscence d'une de mes vies antérieures, j'en ai eu d'autres. J'ai été aidé dans cette quête des vies antérieures par l'abondance des ruines romaines que l'on trouve à Aix, en Provence et dans sa région. Nous allons aller dans le secteur ouest de la France pour rencontrer un spécialiste de la réincarnation, Jean-Louis Victor. Tout d'abord,
je suppose que tout le monde sait ce qu'est la réincarnation. C'est le fait de savoir que la mort n'est pas une frontière, c'est une porte vers une autre réalité, vers l'antichambre d'une autre existence. Jean-Louis Victor est un brillant conférencier, un ésotériste. Il a étudié divers cas de réincarnation. Nous verrons au gré de cette vidéocassette d'ailleurs certains éléments très troublants, dont un très spectaculaire, sur lequel s'est penché Jean-Louis Victor. Et Jean-Louis a aussi composé, réalisé une cassette, audio, d'une musique très astrale, très éthérée, qui facilite la concentration. Avant de parler de la réincarnation, il faut parler un petit peu de ce qui nous amène à poser le problème. En effet, la vie telle qu'elle est, au niveau de sa sortie que représente la mort, a deux hypothèses possibles. Ou il n'y a rien après la vie, et à ce moment-là, ça ne vaut absolument pas le coup de vivre, c'est évident, puisque la vie se résumant à boire, manger, dormir, travailler, souffrir, pour rien à la sortie, ça ne vaut vraiment pas le coup de vivre. Donc, l'autre hypothèse, il y a quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui nous passionne, que certains appellent la métempsychose, que d'autres vont appeler la réincarnation, et il y a toutes les hypothèses philosophiques, évidemment, pour greffer tout un espoir sur ce thème de la survie. Personnellement, et je m'engage en disant cela, je crois foncièrement en la réincarnation. C'est-à-dire que je crois que la vie est une étape, une transition, un voyage temporaire, et dans ce voyage, il y a des expériences à vivre, et à partir de ces expériences, on progresse. Sur le plan théologique, on peut dire que nous sommes pratiquement les seuls, en Occident, à ne pas croire à une survie. C'est-à-dire que l'occidental croit que la vie se termine à la mort. Or, les autres civilisations, et les civilisations très anciennes, ont toujours conçu un espoir sur la survie. Et effectivement, ils ont basé leur théorie sur des concepts, sur des preuves, sur ce qu'on appelle la sagesse expérimentale, qui permet d'approcher l'au-delà et ses possibilités. Sur le plan théologique, on peut dire que nous sommes en déphasage sur ce sujet, en raison de l'Église. Et nous nous trouvons en 553 avec une ambiance représentée par ce que l'on appelle un schisme qui se préparait dans l'Église. D'un côté, il y avait les traditionalistes, ça c'est pas nouveau, le thème continue actuellement. D'un côté, il y avait les traditionalistes, fidèles au Père de l'Église, qui croyaient en la réincarnation. Et de l'autre côté, il y avait les fidèles au patriarche de Constantinople, qui s'appelait Ménas, et qui ne croyaient pas à la réincarnation pour une raison extrêmement simple, qui est celle-ci: l'empereur Justinien Ier, qui était à l'époque l'empereur de cette région, pensait que les ouvriers qui croyaient à la réincarnation travaillaient beaucoup moins que les autres, car il disait que ce qu'ils ne font pas dans cette vie, ils le feront dans une autre. C'est vrai que ce n'était pas très rentable, et déjà, l'idée de réincarnation était jugée subversive. Donc, une réunion a lieu entre Ménas, patriarche de Constantinople, Justinien Ier et le pape qui s'appelait Vigile, et on décide, à trois niveaux supérieurs, de retirer des Écritures l'idée de réincarnation. Le concile a lieu, comme je vous l'ai dit, en 553, et fut retirée définitivement l'idée de réincarnation à partir de ce concile. J'ai été en contact, figurez-vous, avec les avocats de Paul VI à l'époque, et on a longuement discuté sur ce thème de la réincarnation. Et je lui dis, vous ne pouvez absolument pas ignorer ce concile de Constantinople qui a arrêté l'évolution de cette pensée religieuse et philosophique. Il me dit, nous connaissons absolument cette pensée, et ce concile, bien sûr, il existe, les traces y sont, mais on ne peut absolument pas remettre au goût du jour l'idée de réincarnation, car ce serait montrer et démontrer que l'on s'est trompé volontairement
dans un but politique et religieux, pour enfermer les masses, pour qu'elles n'évoluent pas, et ce serait vraiment montrer qu'il y a eu un mensonge au départ et une manipulation pendant 15 siècles. Et ça, on ne peut pas le faire. C'est une aberration, car ce n'est pas un problème d'opinion. Il y a d'abord des milliards d'individus sur la planète Terre pour qui la réincarnation est une certitude, notamment parmi les pays d'Asie. Il y a eu des études tout à fait remarquables. Celle du professeur Banerjee. Cet ouvrage remonte à 1965, mais Banerjee, c'est le numéro un spécialiste de la réincarnation à l'université de Jaipur, dans l'état du Rajasthan, en Inde. Et il est bien évident que l'université de l'Inde, l'université de Jaipur, c'est pas fait pour les débiles mentaux. Il y a cette revue, Parapsychology, qui est également éditée à cette époque-là, vers les années 65-66. Il y a divers ouvrages que nous vous présenterons au cours de la cassette, mais celui-ci en particulier de Joseph Hearn et Cranston, le livre de la réincarnation, aux éditions Fanval, et quantité d'autres. C'est une chose sérieuse, la réincarnation. Nous avons abordé ce domaine de diverses façons, mais il y a un moyen excellent pour remonter dans le temps. Et je pense à mon ami Daniel Huguet, qui lui est un hypnotiseur professionnel. Nous le connaissons depuis une bonne quinzaine d'années, Daniel. Tu as fait quantité de recherches en matière d'hypnose, de régression mémorielle pour le compte de l'IMSA lorsque nous avions des enquêtes à faire sur les cas de contact. Et là, nous avons trouvé deux sujets remarquables. Alors, comment vas-tu procéder pour amener ces sujets à revivre un lointain passé qu'elles n'auront pas consciemment connu? La première chose, bien sûr, c'est de mettre ces deux sujets en état hypnotique, parce que c'est la base de tout. C'est ce qui va nous permettre, une fois qu'elles auront atteint cet état particulier qu'on assimile très souvent d'ailleurs au sommeil naturel, mais qui n'en a rien à voir, nous allons donc mettre ces deux sujets en état hypnotique. Et c'est lorsque je tire sur le nez que je tire en arrière, que tombe bien, vous ne restez absolument rien, je suis là, vous retenir, souple, voilà, détendu, souple, voilà, détendu. Vous respirez calmement, tranquillement, profondément, vous écoutez le son de ma voix. Nous allons leur permettre, par diverses suggestions, de remonter dans le temps. Elles vont donc revivre comme si elles étaient à l'époque. Elles vont donc revivre une vie, ou plusieurs d'ailleurs, et au fur et à mesure, elles vont nous expliquer, on pourra leur poser des questions, on va leur poser des questions d'ailleurs, et elles vont nous expliquer qu'est-ce qu'elles font, où elles sont, comment elles s'appellent, etc. Je voudrais tout particulièrement saluer et remercier ces deux jeunes femmes que nous avons baptisées Coralie et Catherine. Catherine, c'était facile parce qu'elle a dans une existence vécu en un pays dont la patronne est Sainte Catherine, vous verrez lequel. Je voulais les remercier aussi et les féliciter, car il faut avoir beaucoup d'honnêteté intellectuelle et du courage aussi pour se soumettre à ce genre de recherche qui est extrêmement riche en résultats. Bien sûr, cette séance que vous allez voir, nous l'avons filmée il y a peu de temps, il y a quelques semaines. Nous n'avons pas eu le temps matériel de faire des recherches pour voir si ce que dit Coralie ou ce que dit Catherine peut être vérifié dans l'histoire. Nous allons nous y efforcer, ça va nous demander du temps. Mais je crois qu'il y a une certaine spontanéité dans cette recherche effectuée par Daniel Huguet sur ces deux jeunes femmes, auxquelles je dis encore merci et bravo. On y va. Ben, toujours, c'est toujours un doigt comme ça. Hein? Allez. Vous respirez calmement, tranquillement, profondément, vous écoutez toujours le son de ma voix, vous ne pensez à rien. Les muscles du corps sont relâchés, votre corps est chaud, votre corps est lourd. Vous glissez, vous basculez, dans un sommeil particulier, très particulier. Et là, vous dormez profondément, vous écoutez le son de ma voix, vous ne pensez à rien, les muscles du corps sont relâchés, votre corps est chaud. J'essaie généralement de mettre les gens en dehors et en spectateur, parce qu'il se trouve que des fois, les gens vivent des choses très intenses et
ils se mettent à pleurer, à bouger, à avoir des crises de nerfs. Donc j'essaie, moi, quand je fais une régression comme ça, de mettre mes gens à l'extérieur en disant, vous voyez le film de votre vie. Vous êtes à l'extérieur, quoi qu'il arrive, vous ne risquez rien. Vous continuez toujours de dormir profondément, et puis vous allez reprendre maintenant. Vous allez retourner voir votre pendule. Vous pouvez me dire l'année. 1812. Avant Jésus-Christ, alors. Oui. Quel pays? L'Égypte. C'est l'Égypte. Votre nom? Tétis. Pardon? Tétis. Tétis, T-E-T-I-S. Oui. Oui, Tétis. Il y a un prénom, un truc comme ça, non? C'est mon prénom. C'est le prénom. Et le nom, donc? Je sais pas. Vous n'avez pas de nom? Je suis Tétis. Tétis, c'est tout. Ouais. Vous avez quel âge? J'ai 12 ans. Vos parents s'appellent comment? Je ne les ai pas connus. Ce sont des esclaves. Vos origines, c'est... Vous êtes d'où? Nubienne. Mon maître est un noble. Mais il s'appelle comment? Encore? Comment? Encore. Je m'occupe de son fils. Et son fils, il a quel âge? Il a 9 ans. Et il s'appelle comment, en fait, le fils? Ramis. Ramis. Questionnée, Coralie nous apprend que la mère de Ramis est décédée. Le maître a pris une concubine, Oujda, qui, comme nous allons le voir, va tenter de tuer Ramis. Elle n'est que concubine. Oui. Il ne veut pas l'épouser. Il ne veut pas l'épouser, pourquoi? Pour que son fils reste héritier. Il y a Oujda qui rentre. Il y a Oujda qui rentre dans la chambre. Elle porte le repas de Ramis. Ouais. Je ne suis pas contente. Parce que? C'est moi qui dois apporter. C'est vous qui devez lui apporter? Oui. Oui, mais c'est un peu elle qui remplace sa mère, alors c'est normal. On ne s'en occupe pas. On ne s'en occupe pas. Bon, et alors qu'est-ce que vous faites? Je vais goûter les plats. C'est du lait de chèvre. Mmh. Il est aigre. Parce que... C'est aigre, le lait de chèvre? C'est sûr. Mais pas aussi aigre. J'ai des crampes. De suite, là? Juste en buvant de le gorger? Non. C'est après. C'est après combien de temps? Ça fait 5 minutes ou ça fait 1 heure? C'est la nuit maintenant. Ramis, il a bu aussi? Non, j'ai renversé la coupe. Vous êtes guéri ou pas? Non. Je crois que je suis plus. Vous allez reprendre la pendule. Oui. Et puis ce pendule va marcher dans le bon sens, le sens normal, plus l'envers, mais dans le bon sens. Elle va tourner très 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 vite, elle va revenir pour s'arrêter le 24 septembre 1992. La pendule se met à l'heure exacte. La pendule se met à l'heure exacte et maintenant vous lisez l'heure qui est sur la pendule. Midi 30. À votre réveil tout à l'heure, vous
n'aurai aucun souvenir de ce qui s'est... de tout ce que vous avez dit, de tout ce qui s'est passé, etc. Un, votre sommeil s'allège. Je compte deux, vos esprits vous reviennent. Ils vous reviennent de plus en plus, vous allez sortir de cet état en pleine forme, calme, détendu, reposé, relaxé, complètement relaxé. Parce que je dis trois, gentiment. Et là, les yeux s'ouvrent tout seuls, gentiment, doucement. Tout doucement, tout doucement. Et vous sortez de cet état en pleine forme, calme, détendu, reposé et relaxé. Je suis là. Détendu, détendu. Toujours. Ça va? C'est bon? Vous pouvez bouger. Après, vous me dites ce quoi vous vous souvenez. De quoi vous vous souvenez? C'est comme ça, pas tout en détail si vous vous souvenez de tout, mais qu'est-ce que vous avez... De l'horloge. D'une horloge. C'est déjà pas mal. Nous allons passer à une autre vie intérieure d'une autre personne, parce que Coralie, de même que l'autre personne que nous avons baptisée Catherine, nous a raconté, hors caméra, plusieurs de leurs vies. Nous avons fait un choix. Et là, nous allons assister à un autre genre de vie qui était très différent. Daniel, avant que nous voyions cette expérience, le sujet a parfois des réticences. Effectivement, les sujets gardent toujours un petit peu de conscience de ce qu'ils sont actuellement. Et sous hypnose, ils ont la possibilité de filtrer quand même un petit peu ce qu'ils nous racontent. Ce qui fait que lorsque je dis à Catherine quel est votre prénom ou quel est votre nom et qu'elle refuse de nous le dire, c'est parce qu'elle est en train de vivre quelque chose de tellement important et qui la bouleverse tellement, sans déflorer le sujet, elle est en train de tirer sur des gens, c'est un homme. Elle est soldat, elle est en train de tirer sur des gens, et ça, c'est à côté de dire son nom, c'est nul. Donc le nom, j'ai pas envie de vous le donner, monsieur, c'est tout, ça s'arrête là. Quoi. Alors maintenant, sur cet écran, va apparaître la pendule, votre pendule. Votre pendule ovale avec les aiguilles noires et les chiffres romains. Il y a toujours quelque chose qui se met devant. C'est quoi? Des images. Quelles images? Des fusils. Des fusils. Oui. Non, je suis là. Détendu. C'est bien. Comme ça, détendu. Vous êtes dans un film. Simplement un film. Et à partir de maintenant, quoi qu'il se passe dans ce film, vous êtes à l'extérieur. Et vous êtes là en spectatrice. Aucune émotion d'aucune sorte, détendu. De quelle année ? Dix-sept cent soixante-dix. Où vous êtes d'abord? Je dois tirer sur des gens. Vous devez tirer sur les gens? Oui. Vous êtes militaire? Oui. Vous êtes un homme ou une femme? Homme. Hein? Homme. Vous êtes un homme? Oui. Ok. Vous appelez comment? Ça n'a pas d'importance. On me fait tirer sur des gens et je ne veux pas tirer. Je veux tirer sur qui? Sur les gens qui sont en face, c'est quoi? C'est des civils? Je crois que c'est des Indiens. Vous parlez français, vous parlez anglais, vous parlez quoi? Anglais. Anglais? Ça se passe dans Canada. Quel pays? Canada? D'accord. Et vous pouvez pas me dire votre prénom, votre nom? Newman. Ça s'écrit comment ça? N-E-W. N-E-W. M-A-N. M-A-N. Newman. Oui, ça c'est votre nom, votre prénom, c'est pas... John. John. John Newman. Oui, et vous avez un grade, vous êtes simple soldat, vous êtes caporal. Fantassin. Mais pas de grade donc. Vous n'êtes pas ni capitaine, ni caporal, ni j'en sais rien. Non. Non, d'accord. Vous faites la guerre contre les Indiens, pourquoi, vous le savez? Je dois défendre le territoire. Oui. Je suis devant le commandant. Ah oui, et qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas content. Il n'est pas content parce que... Parce que je ne voulais pas tirer. Je dois obéir, mais je ne veux pas. Oui. Et on va vous punir ou quoi?
dois être fusillée. Ah, d'accord. Et donc, si vous êtes de nationalité anglaise, vous allez pouvoir me dire qui est le roi d'Angleterre ou la reine d'Angleterre, comment elle s'appelle ou comment il s'appelle, je ne sais rien. Georges III. Georges III. Jean-Louis Victor, tu as eu la chance de faire une enquête, de faire des recherches, parmi les nombreux cas sur lesquels tu t'es penché, sur un sujet vraiment extraordinaire. Doublement extraordinaire parce que cet homme dont nous allons parler était un modeste mineur de fonds. Il s'agit de Augustin le Sage. Alors ça, c'est fabuleux. Oui. L'histoire d'Augustin le Sage fait partie des grandes preuves appuyant l'idée de réincarnation. Le Sage est né en 1876 et mort en 1954. C'est donc très récent. Et ma grand-mère maternelle, qui était Jeanne de Laval, a étudié ce cas. Toute une équipe, dont le docteur Rosti, le professeur Charles Richer, qui était prix Nobel de médecine, a étudié ce cas. Un cas extrêmement curieux. Il est donc né en 1876 dans le nord de la France, région du Pas-de-Calais. Jusqu'à l'âge de 35 ans, rien n'est venu troubler sa vie. Une vie extrêmement simple, modeste, difficile. Il faut se représenter en deux mots ce qu'était cette existence des mineurs de fonds de l'époque. Les chevaux tiraient les wagonnets au fond de la mine. La noirceur était partout. Le matin, il se levait de bonne heure, il faisait nuit. Il travaillait au fond de la mine, il faisait nuit. Il rentrait le soir, il faisait nuit. Donc un univers, si l'on peut dire, extrêmement sombre. Jusqu'à l'âge de 35 ans, rien de spécial dans cette existence. Puis un jour, il travaillait au fond de la mine de charbon, il entend une sorte de voix lui disant « Un jour, tu seras peintre ». En termes de métier, on appelle cela de la clairaudience. Mais il ne comprenait pas ce terme, il ne savait pas ce qui se passait. « Un jour, tu seras peintre ». Et cette voix va se répéter tous les jours, chaque fois qu'il descendait au fond de la mine, à tel point qu'après s'être retourné deux, trois fois, croyant que c'était un ami qui lui parlait alors qu'il n'y avait personne, il se dit, il se passe à moi quelque chose d'étrange, de curieux, d'étonnant en tout cas, et je vais en parler à un de mes amis qui s'intéresse un peu à ces questions. Et cet ami spécialiste de ce que l'on appelait à l'époque le spiritisme expérimental, lui dit, écoute, en toi, il y a un état qu'on appelle l'état médiumnique, et ce message « un jour tu seras peintre » peut éventuellement avoir une réalité concrète. Le Sage, qui était un homme très honnête, très simple aussi, dit « puisque je dois être peintre, pourquoi ne pas essayer ?» Et il va chez le marchand acheter quelques pinceaux de peinture et il commande une toile. Dans la commande, le marchand se trompe. Et au lieu de lui livrer une toile toute petite, de la grandeur d'une feuille de papier canson, 21-27, pour essayer en tout cas, on lui livre une toile qui faisait 3 mètres sur 3, c'est-à-dire 9 mètres carrés. Quand il voit cette toile livrée, il la déroule, il la fixe par conscience sur le mur de sa cuisine, et il s'étonne en disant « Est-ce que je vais badigeonner ?» Où est-ce que je vais peindre ? Et c'est à ce moment-là que son ami qui s'intéressait au spiritisme était là, commence à déboucher les couleurs et lui dit « Attendons ». Et le Sage lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je ne sais pas dessiner un pot de fleurs, on a une surface de 9 mètres carrés, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ?» Il se recueille, il prie et demande à cette voix d'intervenir si elle existe. Et curieusement, son bras droit se met à avoir ce qu'on appelle une transe médiumnique, sa main se raidit quelque peu, défourmillement. Dans un geste automatique, le Sage attrape des pinceaux, un pinceau, des tubes de couleur étaient ouverts et commence à faire des petits points sur cette toile immense. Puis il s'arrête. Le lendemain, il reprend. Et au retour de son travail, il peignait à peu près une heure tous les jours, jusqu'au jour où la toile fut complètement recouverte. Et phénomène très étrange, il s'agissait de fresques de civilisations disparues. Il a fallu d'ailleurs des égyptologues érudits pour traduire le contenu et le message des toiles de Le Sage. Mais il y a eu des toiles énigmatiques
dont certaines ont livré des secrets. Une d'entre elles s'appelle la moisson égyptienne. Une dame vient le voir, qu'il ne connaissait pas, et lui dit « Écoutez, monsieur le sage, j'aime le travail que vous faites. Il m'intéresse et j'aimerais acquérir cette toile. » Le sage ne vendait pas les toiles, il les donnait. Et il dit « Écoutez, je vous offre cette toile, je vous la donne. » Cette dame, consciente de l'œuvre et de sa valeur, lui dit « Écoutez, je ne peux pas accepter cela. En compensation, je vous offre un voyage en Égypte. » Le sage s'en va en Égypte, visite tout ce que l'on peut voir dans ce merveilleux pays, la vallée des rois, la vallée des reines, les tombeaux, les pharaons, les fresques égyptiennes. Le guide égyptien, tout à coup, dit au groupe dont faisait partie le sage, « Si cela peut vous faire plaisir, j'ai un tombeau à vous faire découvrir qui s'appelle le tombeau de Mena. » Qui était Mena? Mena était un artiste peintre ayant vécu au temps de Ramsès II et qui avait obtenu l'autorisation du pharaon de réaliser son propre tombeau. Ce tombeau venait tout juste d'être ouvert et découvert et ouvert à la circulation des touristes, personne ne l'avait vu, il n'existait aucune reproduction extérieure sur le plan des journaux par exemple. Le sage et son groupe font partie des premiers invités en quelque sorte, ayant eu l'autorisation de descendre dans le tombeau. Quelle ne fut pas la surprise de le sage lorsque, à peine descendu au fond du tombeau, il retrouve la fresque de la moisson égyptienne qu'il avait lui-même réalisé avant de partir en Égypte. Il faut quand même, je crois, demander à le sage ce qu'il pensait de ce choc qu'il a reçu dans cette preuve en Égypte. Le sage pensait qu'il était la réincarnation de Mena. En tout cas, sur la réincarnation, l'avenir est là pour montrer qu'il y a une autre réalité, au-delà de l'apparence, au-delà des structures et au-delà de la vie quotidienne. Augustin, le sage nous a entraînés en Égypte. Comme narrateur, nous allons y retourner dans peu de temps avec un personnage exceptionnel que tout le monde connaît. Du moins, on le connaît en tant qu'illustre créateur de mode. On le connaît comme créateur de parfums. Paco Rabanne, mesdames, messieurs, tout le monde connaît ce personnage exceptionnel. Il est aussi écrivain. Il a publié un ouvrage, Trajectoire, aux éditions numéro 1. Trajectoire, c'est la trajectoire de ses vies. Ses vies qui ont été illustrées par le peintre Roger Roux. Ah, c'est fantastique. Est-ce que tu te retrouves? Je vois beaucoup de choses. D'abord, de ce cosmos ancien, central de la galaxie d'où je viens, il y a très très longtemps. Ensuite, des existences qui m'ont beaucoup marqué. Il est vrai que les grands galactiques ont détruit tout ceci, sinon l'homme ne pouvait pas s'établir sur la planète Terre. Druide, je le fus, dans cette Atlantide ancienne. Akhenaton est le roi qui m'a marqué le plus, car j'avais pour lui, en tant que prêtre, une vénération absolue. Voici ma victime, celui que j'ai assassiné à l'âge de 24 ans. Tu n'étais pas seul. Voilà, non. Là, je vois cette femme prostituée que je fus, dans une vie antérieure, et puis cet être Merlin, l'être de sagesse. Je ne détiens aucune vérité, écris-tu, je ne suis pas un prophète, je ne propose aucun système, aucun dogme, mais je suis un témoin. Et je veux faire partager mon expérience et peut-être inciter les gens à explorer également leur intérieur pour progresser vers la lumière. Paco Rabanne, dans ton ouvrage, je découvre une chose étonnante, ta première expérience à l'âge de 7 ans. Oui, cette expérience a été d'autant plus incroyable et extraordinaire que j'ai vécu dans mon enfance dans un milieu très matérialiste. Ma mère était une femme révolutionnaire espagnole, terriblement athée, matérialiste, presque fermée à tout ce qui était religion.
Et donc, dans ce milieu-là, il m'est arrivé des choses absolument incroyables, inattendues, qui m'ont obligé de changer radicalement de philosophie, de conception de l'univers qui m'entourait, parce que j'avais un problème physiologique ou physique quand j'étais enfant. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Et un jour, à l'âge de 7 ans, j'ai décidé de faire quelque chose parce que je souffrais trop dans ce lit et que dans cette nuit trop longue, je me suis dit, je vais arrêter le temps. Comme ça, je vais arrêter le temps. Et donc, comme ça, le temps ne me fera, sera plus cette souffrance. Et j'ai cherché dans mes souvenirs comment arrêter le temps. Je me suis dit, si je faisais taire le mental, si j'écoutais le battement de mon cœur, je rythmais ma respiration. Alors j'ai commencé à faire cela. Et puis, intuitivement même, j'ai appuyé avec les paupières sur l'iris des yeux. Et en faisant ça, je ne savais pas, comme m'a dit plus tard un médecin, que l'on crée un coma, un semi-coma. Et en faisant cette gymnastique intérieure, brusquement, le temps s'est réellement figé. J'ai été pris dans une chape de plomb, des milliers de tonnes qui me pesaient sur le corps, mais je n'ai pas eu le temps d'avoir peur parce que j'étais brusquement projeté à une vitesse incroyable dans une espèce de tube argenté. Et comme une espèce de toboggan, je me suis retrouvé très haut, là-haut, dans un ciel très lumineux, très loin du corps, et je voyais très loin en bas mon corps allongé à côté du lit de mon frère qui lui dormait paisiblement, et ce fil d'argent qui me reliait à ce corps, qui ondoyait comme ça dans l'espace. Autour de moi, il y avait un silence incroyable et une beauté de nature, c'est-à-dire un ciel d'un bleu profond et des étoiles énormes. C'était magnifique. Mais comme j'ai eu très peur, c'était la Bretagne, j'avais 7 ans, on parlait de corrigans, d'elfes, etc. Et j'ai eu peur qu'on s'empare, que quelque chose s'empare de mon corps pendant mon absence. Et j'ai demandé à ce corps physique de faire un mouvement, le bras bougé. Et j'étais réintégré dans le corps, comme ça, avalé par le corps, mais avec beaucoup de difficultés, parce que le corps énergétique est plus grand que le corps physique. Et on rentre comme dans une chaussure trop étroite. Ça m'a troublé. J'en ai parlé à ma mère qui m'a dit, oh, tout ça, c'est ton imaginaire. Si tu continues comme ça, tu vas venir dire fou. Or, ma grand-mère qui m'élevait également était une femme très pieuse, une femme basque qui connaissait tous les secrets des plantes, qui m'avait beaucoup appris des choses sur comment soigner les gens avec les plantes, les pouvoirs de certains éléments, etc. M'a dit, tu as une grande chance, maintenant tu vas me jurer de ne plus en parler à personne, car c'est ton jardin secret, les gens vont rire de toi, c'est très important, ne n'en parle plus. Et ce qui est formidable, c'est que j'ai fait cela très souvent. Et j'étais projeté dans des scènes, dans des pays étranges, où il se passait des tas d'événements que je ne pouvais pas situer. J'avais 7 ans, c'était en Bretagne. À l'époque, la télévision n'existait pas, je n'avais aucune iconographie. Et j'ai vu des scènes très étranges dans des moments historiques différents, où le personnage central était toujours le même. Je me suis rendu compte avec terreur que c'était moi. J'étais le personnage central d'aventures très précises et je pouvais les reprendre, c'est-à-dire ce n'était pas du rêve imaginaire, puisque quand je repartais, je réintégrais dans le corps, j'avais souvenir de ça, mais je ne pouvais plus les voir, et quand je ressortais du corps, je pouvais les revoir là où je les avais arrêtés. Et ça a été très très étrange, et je me suis aperçu, donc à l'âge de 7 ans, malgré ce que disait ma mère, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une vie matérielle sur la Terre, etc., que j'avais eu beaucoup de vie dans le passé. Et le problème de la métempsychose, de la réincarnation, de la transmigration des âmes, s'est passé à moi à l'âge de 7 ans. En ce qui concerne certains de tes passages, ta réincarnation sur la Terre, tu as eu des épisodes extraordinaires en Égypte. Moi, j'étais donc un jeune prêtre sur Menophis III, le père d'Akhenaton, et il m'avait demandé d'instruire dans la religion égyptienne, dans les secrets de magie, son fils, Amenophis IV, qui allait devenir Akhenaton. Et c'est là que je me suis pris d'amitié pour Akhenaton, d'amitié et de ferveur, parce que c'est un homme prodigieux. Et ce qui a mis en fureur les prêtres de Thèbes, c'est que lorsqu'il a construit Tel Amarna, j'ai emporté du temple de Thèbes, qui est un trésor qui était fabuleux, qui était caché dans le Naos de Thèbes, c'est les portes de Richalk. Ça, personne n'en parle. Le Richalk est un métal bleu, constellé de points d'argent très brillants. Et c'est une des portes du temps des Atlantéens.
C'est un seuil à laquelle on peut passer d'une planète à une autre planète. Cela était dans le secret du temple de Thèbes et je l'ai amené au temple de Tel Amarna. C'est ça qui a fait cette guerre épouvantable entre la prêtrise d'Amon de Thèbes et le roi Akhenaton. Et lorsque Akhenaton a été trahi par Néfertiti, j'ose le dire parce qu'elle était quand même, au point de vue sexuel, Akhenaton n'était pas un dieu, et qu'Horenreb était très belle, et Horenreb était un homme formidable, son général. Et lorsqu'il a trahi le roi avec les prêtres d'Amon, et qu'Akhenaton a été abandonné dans le désert à sa mort, ils ont pris son jeune frère Toutankhaton, qui est devenu Toutankhamon, et qui est revenu à Thèbes. J'ai fait allégeance au prêtre d'Amon, car j'étais à l'époque très âgé, et un homme d'un grand savoir, et j'avais occulté les portes, ces fameuses portes d'Orichalc, et le prêtre d'Amon voulait absolument s'emparer de ce trésor, j'ai pas voulu, je l'aurais pas dit où. Et j'étais un des 12 prêtres qui avons assassiné Toutankhamon, et je m'en souviens très bien encore, à cause de sa traîtrise, car à cette époque-là, il y avait la loi du talion. D'ailleurs, à la cour d'Akhenaton, il y avait un jeune égyptien que j'ai initié également, et qui s'appelait Ossissé. Ossissé, Akhenaton allait l'appeler plus tard, sauvé des eaux. Ah oui. Moïse. Paco Rabanne nous a parlé de l'une de ses vies en Égypte. C'était hier, 3500 ans. C'est pas vieux. Évidemment, d'ores et déjà, cela fait tiquer la jante officielle de la science, les rationalistes aussi. Je rappellerai tout de même que le terme d'Atlantide, qui n'était pas le véritable nom de ce continent englouti, est connu depuis Platon, qu'il le tenait de Solon, qu'il le tenait d'un prêtre plus ancien encore. Donc il y a quand même des traces dans le Timée et le Critias. Nous allons aller plus loin, puisque l'une des vies de Paco Rabanne s'est déroulée en Atlantide. Et il y a eu trois voyages, mon voyage était le dernier, celui qui devait fonder la première civilisation atlantéenne. Et nous avons, lorsque nous sommes arrivés sur la planète Terre, il y avait eu génétiquement des monstres qui avaient été créés, il y avait vraiment des centaures. Minotaure existait, et nous avons passé le temps à détruire tout ça, à nettoyer la race. Nous étions des nazis, atlantéens. Des eugénistes. Voilà, et nous avons fait ce nettoyage. Or, tu sais, la loi de l'un est une obligation. Si tu crées des crimes sur une planète, tu es obligé de revenir. Avec la franchise qui le caractérise, Paco Rabanne nous a parlé des crimes qu'il a commis dans un lointain passé. Nous sommes tributaires d'une loi karmique, le karma, c'est-à-dire la chaîne de nos existences, où nous avons commis parfois des actions regrettables, punissables, et il faut payer. Mais de là à en conclure que, par exemple en Inde, où se trouvent malheureusement des centaines et des centaines de millions de pauvres gens qu'il faut les laisser crever parce que c'est ainsi, et plus vite ils mourront, plus vite ils seront réincarnés. Non, parce que nous savons aussi que les réincarnés, c'est-à-dire vous, moi, notre devoir est aussi d'aider notre prochain. Ça aussi c'est une loi. Et d'ailleurs, Jean-Louis Victor va nous en parler en savoir et connaissance. On peut dire que l'on ne meurt pas, car l'énergie ne meurt pas. Elle va se transformer. Sur le plan concret, comment cela se passe? La réincarnation, on l'a vu, est une étape pour la survie. En termes clairs, notre vie sur Terre est un passage. Ce passage nous amène des expériences, avec des réussites, avec des échecs. À partir de ce moment-là, la mort donne le bilan. Et c'est avec ces matériaux positif et négatif, qu'on va rebâtir dans une autre forme, nous offrant des expériences à la fois continuelles
si l'on peut dire, en continu de ce qu'on a vécu avant, et de nouvelles expériences, on va bâtir notre vie. Si l'on veut être plus précis, on peut dire que notre destin est fonction de deux équations. La première, un suivi par rapport à notre vie passée. C'est-à-dire que nous avons ce qu'on appelle des dettes karmiques. Le mot karma veut dire destin. Nous avons des dettes karmiques à payer, et c'est ce qu'on appelle les événements obligatoires. On ne peut absolument pas échapper à un événement obligatoire. Il y a en effet un prédéterminisme biologique, physiologique, énergétique et karmique. Notre destin est donc fonction, d'une part, de ces obligations karmiques d'être du passé, et nous devons vivre de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, pour voir notre capacité de réaction face aux nouveaux événements. Et c'est là qu'il ne faut pas, comme l'on dit, engendrer de karma. C'est-à-dire, il ne faut pas, au travers d'une nouvelle expérience de vie dans un autre corps, réagir négativement pour avoir ensuite des conséquences à payer. Autrement dit, il ne faut pas, dans sa vie, contracter de nouvelles dettes karmiques. Alors l'évolution est progressive, il n'y a pas de régression dans la réincarnation. On peut remplir, on peut redoubler, pardon, une classe, c'est-à-dire redoubler une vie dès l'instant où les exigences ne sont pas bien remplies. Autrement dit, la réincarnation est un contrat. Ce contrat est extrêmement précis, avec un prédéterminisme extrêmement rigoureux à tous les niveaux. Quelle est la part de liberté dans la vie? La liberté est fonction de la conscience. On est libre autant qu'on est conscient. C'est-à-dire que plus on est conscient, plus on est libre de constater, de juger, de réfléchir, mais on n'est pas libre de changer un événement. Si tout le monde pouvait changer les événements, ça serait le grand chaos sur Terre. Déjà que c'est le chaos quand même, alors imaginez les conséquences. Donc la loi de la réincarnation est une loi avec une morale et une justice cosmique extrêmement rigoureuse qui fait la balance entre ce que l'on fait et le prix à payer pour ce que l'on fait. Jean-Louis Victor nous a donc parlé de la loi karmique. Je pense qu'il faut demander à notre ami Paco Rabanne certaines précisions sur ce que nos vies ont pu être. À savoir que nous semblons un peu trimballés avec nous, de siècle en siècle, ou d'incarnation en incarnation, certaines caractéristiques concernant nos vies passées. Alors, c'est un peu surprenant. Paco Rabanne a fait des recherches. Il ne se contente pas d'avoir des souvenirs de ce qu'il a été. Il a fait des recherches à travers les incarnations d'autres personnes, parmi ses proches, ses amis. Et il a pu constater que des caractéristiques surgissent, qui éclairent nos existences passées, ou du moins ceux que nous avons été dans nos existences passées. C'est quel personnage? C'est le dernier pharaon d'Égypte, donc c'est l'an peut-être 100 ans après la destruction de l'Égypte par les Romains, donc après la naissance du Christ. Et c'était un pharaon très pauvre, puisque son cercueil est en bois, avec une simple petite peinture comme ça sur le couvercle. Et c'est ce même ami pilote de cette capsule atlantéenne il y a 75 000 ans qui me l'a amené en disant: écoute, je viens de te voir sur un livre, la Bible de Chouraki, regarde, c'est toi. Et je trouve que c'est assez incroyable. Cet homme, bon, il a dû mourir vers 45 ans. Moi, j'en ai 60 maintenant. Tu as raison de dire qu'on revient avec très souvent une bonne ressemblance. Je crois, parce que j'ai essayé de comprendre le pourquoi des réincarnations, parce que je voyais que dans la même famille, alors que ma mère me disait que, pas à cause de la dialectique marxiste, que s'il y avait des différences entre les gens, c'était à cause du milieu social, économique, affectif, etc. Je voyais dans le même clan familial des gens totalement différents. J'essayais de comprendre pourquoi, parce que ça contredisait cette théorie marxiste. Et je me suis aperçu que les gens n'avaient pas une conformité physique, alors être né du même père, même mère, ils n'avaient pas... Ils avaient trois choses tellement différentes: les yeux, l'horizontalité des yeux, le lobe des oreilles et la grandeur des mains. Et je me suis aperçu que les gens les plus sages, les plus intériorisés, avaient les yeux horizontaux,
et les lobes d'oreilles très longs, et également de grandes mains. Et peu à peu, j'ai fait de la physionomie sans le savoir. Je me suis aperçu que les gens qui sortaient de l'animalité, qui avaient très peu de vie humaine, avaient les yeux comme la bête, les yeux avec un angle comme ça aigu. Et au fur et à mesure de l'incarnation, l'œil devenait horizontal et l'iris était soleil devant, soleil à midi, soleil couchant. Et de la même façon que les gens qui ont le lobe des oreilles très long, les gens intériorisés, les gens qui ont le lobe des oreilles très court, ce sont des gens très dynamiques, en prise en des battants avec la vie. De la même façon que les gens qui avaient des petites mains étaient des gens qui n'avaient pas vécu très longtemps dans la vie passée et qui avaient un comportement sensoriel, sensuel très particulier. Par exemple, une femme ou un homme qui ont de petites mains, donc sont morts enfants et ont besoin du contact des autres, des caresses, en amour, d'être terriblement entourés, alors que la personne qui a de grandes mains, qui est donc morte très âgée dans une vie passée, à une espèce de détachement de l'amour ou d'intellectualisation de l'amour et non pas un côté physique. Et tout le comportement des gens peut se lire dans le visage par ces trois lectures des yeux, des oreilles et des mains. Et c'est comme ça que je peux voir si une personne en face de moi est une personne qui sort de l'animalité, qui a très peu de vie passée, ou au contraire quelqu'un qui a une vie, qui a des vies très longues dans le passé, donc qui a cette sagesse, qui peut retrouver en lui des tas d'éléments qui est donc, dont le voile d'Isis s'est levé, et donc il peut retrouver des passages entiers de ses vies antérieures. Ce domaine des vies antérieures est quelque chose de fascinant. Je crois qu'il faut souligner quelque chose de très important aussi. C'est que savoir que la mort n'est pas la fin de toute chose, mais qu'il s'agit d'un passage, une ouverture vers une autre lumière. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. On n'a pas besoin d'être catholique, on n'a pas besoin d'être juif, d'être musulman, d'être bouddhiste. C'est comme ça, parce que nous existons. Alors, il faut croire les Tibétains, lorsque le rite du bardo todol est fait accompagné en quelque sorte par des paroles de réconfort et d'encouragement, le mourant, et ensuite, quand il est passé de l'autre côté, on l'accompagne encore un peu. Parce que lui, il va connaître la lumière. Nous allons continuer de rester sur la terre, comme le disait Prévert, qui est parfois si joli, mais qui a aussi un bon nombre de tares. Mais c'est encourageant. Alors, ce ne sera pas ma conclusion. Ma conclusion, je vais la demander à Jean-Louis Victor, qui va nous parler de sa merveilleuse grand-mère, à laquelle il doit beaucoup, et ne serait-ce que cette très belle conclusion. À bientôt. Il y a eu trois grands médiums dans ce siècle avec des talents différents. En peinture, il y a eu Augustin Lesage. Sur le plan de la médiumnité littéraire, poétique et scientifique, il y a eu Jeanne Laval, qui était ma grand-mère maternelle. Et sur le plan des guérisseurs, il y a eu Alalouf, qui a été un très grand guérisseur de notre région. Et Jeanne Laval, pour la réincarnation, puisqu'elle était le sujet de l'entretien, disait ceci: ne dites point qu'ils sont perdus, tous ceux dont vous pleurez la fuite, ils sont partis à la poursuite d'anciens rêves interrompus.